Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite de WWE, donc avec Bilal. Donc là on a un message de Real King Regal. Aujourd'hui je vais annoncer l'aspirant numéro 1 au NXT Championship, reste à l'écoute. On va rester à l'écoute alors. Bilal, le match de ce soir est très important pour toi. Tu vas te battre pour avoir une chance de participer au NXT Championship. Bonne chance. Contre Tommy Wall, encore une fois. Tommy Wall, ouais, on l'a déjà battu deux fois. Il nous a battu une fois, on l'a battu une fois, je crois. Je me souviens, je sais plus. Enfin bon, bref, hein, voilà. Je passe à montrer, hein. Parce que vous la connaissez, je la remettrai peut-être de temps en temps, mais peut-être pas à chaque fois. Par contre, le concurrent, je le mettrai. Tommy Wall! Tommy Wall! Ouais, je crois qu'on l'a déjà, déjà combattu avec lui deux fois, il me semble. Donc là, sera la troisième fois. Mais c'est quoi leur entrée à chaque fois là qui s'étale contre les cornes? Franchement. Entrée de merde ça. Faut être travaillé un petit peu quand même. As the bell rings, remember that there's no guarantee anyone will walk out of this with their careers intact. Ah là, dégage. Tu m'as pris pour qui? The kick connects. Alors, on commence direct. What a beast the monster's been. Allez, so un petit coup dans le dos. Et une petite soumission. Into the tie-up. Who's gonna get the upper hand? Allez. Voilà. Et voilà. Allez. Ah putain non. Merde. Fils de chien. Fils de chien. Allez, contrer encore une fois. Allez, dans le coin. Ah, il est pas récent. And there's the release. What's going to happen now? I'm scared to ask. Tu fais quoi? Hop là, on contre direct. Voilà. Ah, il a pas le temps d'en placer une à chaque fois je le contre. Allez. Allez, mon garçon, lève-toi un peu. T'es quand même pas déjà fatigué, on vient de commencer. This guy's just getting worn out. Ah merde. A suplex like that takes a lot of power and delivers a lot of impact. Ah, il fait la même prise. Il me fait la même prise. Deux fois en plus. Très imaginatif. Back and forth. How do these superstars keep doing it? Ah, il commence déjà à trouver. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain, j'ai eu peur. Ah, je me suis fait peur tout seul, quoi. He was one step ahead on that one. Oh, il est tombé comme une merde. Comme une merde, et encore. What a shot. Putain, mais lui. He almost took his head off with that lariat. That was a heavy shot. Ah, ça sent le tomber, ça. Non. What a crushing leg drop. Putain, Bilal, lève-toi, merde. Putain, je sais quoi, je suis trop tard. And he hits him with an impressive combination of kicks. Allez, Bilal. The monster counters it. Oh putain, le contré du contré, quoi. Un Rien c'est le sourire de con aussi. C'est le même sourire que moi, tiens. Putain, mais je peux rien faire. Allez, un petit tombé.
Dégage. Allez, Bilal, lève-toi, s'il te plaît. T'es pas fatigué, loin de là. T'as connu bien plus que ça. Et voilà, on rechange de côté. Voilà, on va lui faire un petit tombé, hein, vu qu'il nous le fait. Allez. Allez, on a 70%. On est bientôt rendu au coup spécial. Look at the force behind that leg drop. Voilà. Et il commence à facilement fatiguer. Hein. Momentum has shifted back and forth repeatedly between these superstars. Putain. Oh, his spine bending and cracking. Ah, le dos et la tête, c'est deux choses que je prends cher. And there's a kick out at one. Look past the ring at the thousands and thousands of WWE fans in attendance. Each and every one of them are having a great time tonight. Ah, putain. Ah, il a fait un tombé. Allez. Allez, coup, commence à être de moins en moins précis. Hein. Allez, je suis à 100. On va pouvoir faire un coup spécial. Allez. I don't know how much longer he's gonna be able to go. Bon, tu te lèves ou pas là? Putain, non! Allez, encore à tomber. Putain, mais il est très. Enfin, je sais pas, il a pas envie de se battre, on dirait, quoi. Il a envie d'en finir rapidement. Putain! Allez! Putain, Bilal. Ah, coup spécial, vas-y, direct. Après, on fera le finisher. Ah, putain. Ah, il en peut plus. Allez. Voilà, direct, tu le prends et tu le balances comme une vraie merde. Voilà. Allez, un petit tombé. Et voilà. Donc du coup, là, on est aspirant au titre numéro 1. And here's some highlights from the matchup. Oh, there were some unbelievable highlights. Watch this. One in a million is the only way to describe this match. Let's take a look at some of the big moments. Here is your winner, the superstar. Donc on est aspirant au titre numéro 1, je pense. Ce que j'ai compris. Et franchement, on fait bien quoi dans les résultats. Franchement, à chaque fois, c'est des beaux trucs. Hein. Alors, c'est exactement ce que je voulais voir. T'es définitivement l'aspirant numéro 1 au titre. NXT, félicitations. Merci. On prend du galon. Donc normalement, par logique, si on est aspirant au titre numéro 1, on devrait pouvoir faire le match... Alors, Bilal contre Neville, contre le NXT Championship, c'est pas seulement un match pour le titre, ça pourrait être bien le match de l'année. Tout le monde devrait regarder NXT. Donc c'est un message de Triple H aussi. Bilal, tu as beaucoup progressé depuis ton premier jour au Performance Center, mais cette fois c'est du sérieux. Tu dois montrer à l'univers WWE que tu as ta place ici. C'est le meilleur moyen de montrer que tu es une star. Bonne chance. Merci Bilal.
Alors, de Kin Regal, ce match pour le titre NXT est crucial pour ta carrière. Si tu le gagnes, tu seras considéré comme un vrai poids lourd à la WWE. Ne laisse pas cette occasion te filer entre les doigts. Contre Adrian Neville. Ok. On va voir ce que ça donne. On va récupérer la ceinture NXT. Hop. And from Newcastle upon Tyne, weighing 194 pounds, he is the NXT champion, Adrian Neville. Elle ira bien sur moi, je trouve. Il me fallait une ceinture pour finir mon pantalon et elle va bien aller. Déjà, lui, voilà, son entrée est déjà quand même beaucoup plus remarquée, entre guillemets, que les autres, quoi. Beaucoup plus travaillée. Allez, on va y aller pour la ceinture. T'es chaud, Bilal, t'es chaud. Faut que tu montres de quoi tu es capable. Parce que là, c'est du sérieux. Avant, c'était juste de la rigolade. Merde, d'accord, ouais, ok. The big boot connects. Eh bien, par là, toi. Man, that was a vicious elbow drop. Ouais, commencer direct, de toute façon, je pense que là, on n'a pas le choix, de toute manière. A battle of wills now. Ooh. Ah, fils de chien. Oh, Adrian Neville crashes to the mat. C'est pas pour rien, c'est pour la ceinture, on ne l'oublie pas. You hear how his leg connected? And he does it one more time. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Voilà. Allez, hop là. What a fierce kick. Oh putain, comment il a pris cher. Oh, comment il a pris cher, j'avais pas aimé. Reversal. Ah, souplesse. Showing his prowess. Did you see that? Ah ouais. Wow. Trop tôt. Oh my god. Merde. And down he goes. Ah putain. Allez. Allez Bilal, lève-toi et marche. Lave-toi et marche. Ah putain, on prend cher, on prend cher. And here's a level wreaking havoc. Ah putain. Great reversal. What a shot. Oh, the punch connects. What a shot. Putain, les souplesses toi, qu'il fait. Show off time. C'est pas des souplesses de merde. Loading here. Oh. Oh man. Allez hop, dégage. He was able to reverse that. He almost took his head off with that lariat. Allez. Three. Allez. Not just one voilà. Kick there, but a combination of blows. Ah, dans le dos, c'est toujours bien. Hop, il nous rend tranquillement. Un petit sourire à la caméra. And this is going to return to the ring. He almost took his head off with that lariat. Hop là. Là, on a eu chaud. Franchement. And momentum turns 180 degrees again. Allez.
Je tourne comme une vraie merguez. Allez. Ah, putain. Merde. Ah, il a 99 lui. Hein. Ah, putain. Ouais, t'as rêvé, toi. T'as rêvé royal. Là. Putain, mais j'arrive pas à me dépêtrer. J'arrive pas à me dépêtrer, putain. Ah putain de bordel de merde. Ah, c'est un spécial sans plus. Ah, je suis lourd. Hein. Ouh, chance. Allez putain, Bilal. Voilà. Mais non, mais tu fais quoi, Bilal? Allez, voilà. C'est quand même la ceinture, quoi. Je sais pas. C'est pas non plus rien, quoi. Voilà, frappe lui sur la gueule. Là. Ah putain, non. Allez, il refait tomber. Ah putain, non, non, non. Bordel de merde. Ah non! Bon, ben. Voilà, il fallait un match que je perde. Ben voilà, c'est celui-là. Ah putain, le match va pas perdre. Quoi. Le match va pas perdre. Ah putain, non. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté. Ah putain. Ah, t'es content, mais t'inquiète pas, je viendrai un autre jour, je suis là, t'as vu. Allez, on continue, c'est pas grave. Ah putain, le truc à pas faire, putain, j'espère que dans les prochains matchs, on va me reproposer d'avoir la ceinture, parce que, ah, je suis dégoûté, vraiment dégoûté. Bon, j'ai quand même été bon, voilà, bon, avec ça, voilà, quoi. Tu n'es pas doué à fond, tu ne t'es pas donné à fond en ce match. Et là, je suis censé te dire que t'es fini. Mais je suis sûr que l'univers WWE m'en voudrait de te laisser partir. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner une dernière chance le mois prochain. Prouve-moi que t'as ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut. C'est pas que je sais pas ce qu'il faut. C'est que merde, hein. C'est que je suis pas assez fort. C'est tout. Non, mais franchement. C'est pas normal de me descendre comme ça. On va aller vite faire un tour dans le personnage. Améliorer attribut. On a 190, bon. On va mettre vitesse de frappe, on va améliorer à 60. Prise idem. Agilité, on peut pas. Force, on va l'améliorer peut-être à 70. Endurance, on va aller à fond, voilà. Il nous reste 5 PA que je vais mettre dans résistance jambe, par exemple. Voilà. Ok. Bon bah voilà les gamers, on va se laisser là. Donc on a fait deux matchs. Donc un match que je ne sais pas quoi dire. Hormis, je suis vraiment dégoûté. C'est vrai que c'était un peu le match pour la carrière de Bilal, quoi. Donc bon, c'est pas grave, tant pis. On va faire avec, on va s'en remettre. Allez, à bientôt les gamers pour de nouvelles vidéos et puis pour la suite de l'aventure de Bilal. Allez, salut!